c'est moi, je sais. Si c'est moche, c'est pas grave. Au moins, ça marche, c'est le principal. T'as raison. T'as raison, ça marche. Ça marche. Ça marche au moins. Vous aurez une super émote. Ah, je vais bientôt avoir des émotes. Arrête de te foutre de ma gueule. J'ai passé commande. Bon, par contre, j'ai pas encore le... Le paiement qu'on m'a demandé, je l'ai pas encore. Mais je le cherche. Je suis sur le coup. Moche, désolée, je suis sur... Non, mais t'inquiète, j'avais compris. La question est, comment appelle-t-on une blonde qui a du diabète, une tarte au sucre? Tu sors tout de suite. Je rappelle que je suis blonde. Je suis pas diabétique, mais je suis blonde. Hâte de voir. Oui, moi aussi. Go Motherlode. Mais non, faut pas faire Motherlode. N'a pas le droit. Hein. Bon, Gunther, 22h. Dans 4h, il meurt. Allez. Tu cherches. Pourquoi je cherche? Ah oui, je cherche. Mais oui, je cherche. J'ouvre tous les œufs d'Alola pour trouver un Goopix, bordel. Je suis au taquet. 570 sur YouTube. Oui. Ah bah oui, du coup. Merci, Fanny. Oui, 570, ça commence à monter. En un an, c'est pas mal. Enfin, moi, ça me va. Je sais qu'il y en a en un an, ils en ont 10 000. Mais moi, 570 abonnés en un an, je suis plutôt contente de moi. Dans la vie, tu peux motherload. Oh, si seulement. C'est vrai que je demande à mon banquier. Bon, allez, 22h. Il meurt. Dominique, c'est bon, on est bien potes. Vladislaus, je crois que ça marchera jamais. Hein. Vladislaus et moi, ça marchera pas. Hein, je crois, j'ai beau essayer tout ce que je veux. Il veut pas. Il veut pas. Imagine. Oh, j'aimerais trop faire un Motherlord sur mon compte en banque. Elle va se pisser dessus. Elle va se pisser dessus. Allez. Est-ce qu'elle va arriver jusqu'aux toilettes à temps? C'est déjà bien. 570, je vais en avoir 20. Mais bon, bah, si tu postes jamais de vidéos aussi, c'est pas que t'es trop nul, c'est juste que t'es pas là, quoi. C'est tout. Ça dépend du nombre de vidéos que tu postes. Puis des fois, c'est pas une question d'être nul, hein. C'est une question de... Faut avoir de la chance, quoi. Il est long à mourir, l'autre, dans ses quatre murs, c'est clair. C'est ça. Feeling. Moi non plus, j'ai pas compris le jeu de mots, mais comme je suis blonde, je me suis dit que ça devait être de moi. Je me suis dit que... C'est long à mourir. Ah oui. Ah, ça c'est un genou. Je suis brune, moi. Bah oui, c'est pour ça, peut-être tu fais des jeux de mots qui sont hors de ma portée, tu vois. Bah si, j'en fais de temps en temps. Là, j'ai fait 3 lives, 3 soirs de suite. Mordre, le chiffre bouge pas. Alors, c'est normal, Camille. Moi aussi, au début, il n'y avait personne. Mais vraiment, hein, moi, j'ai fait des lives où j'étais toute seule. Hein. J'en ai fait des lives comme ça, où vraiment, je suis seule au monde, quoi. Mais au bout d'un moment, ça finit par venir. Au début, t'as personne, puis après, t'as une ou deux personnes, et puis après, et ainsi de suite, quoi. Faut pas se décourager. Hein. Ça va venir. Ah non, attends, je viens de comprendre le vrai sens de la phrase. Lui aussi, il est un petit peu blond, faut pas lui en vouloir. C'est la crise 317 Simplouz, bah ouais. Ouais, ouais, je suis déjà fatiguée. Ah ouais, je confirme que t'es fatiguée, ouais. Bon, oh, 21h37, Gunther va bientôt mourir. Bon, tu vas aller dormir, de toute façon, on n'a pas de quoi te faire un bain à bulles. Ah oui, je confirme, on est souvent seul au début quand on commence les streams. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai fait des lives où il n'y avait que le bot et moi. Hein. Et croyez-moi, il n'a pas beaucoup de conversations, le bot. Hein. Par contre, j'aimerais savoir qui c'est qui a foutu une grosse fenêtre juste devant les chiottes. C'est pour pouvoir faire coucou aux gens quand ils passent? C'est perturbant. Ou bah non, t'inquiète, moi aussi, je sens que quand je vais débuter là, je vais être seule, sauf le premier, je sais bien.
Non, mais on viendra te voir, t'inquiète pas. Mais faut pas, voilà, faut pas vous décourager parce qu'il y a personne. Hein. Moi là, on est une vingtaine, mais ça a pas toujours été comme ça. Hein. Ça a pas toujours été comme ça. C'est pas mal parce que là, on est souvent 20 en fait, donc c'est plutôt cool. Ça monte au fur et à mesure. Je suis vraiment contente. Comme ça, la prochaine fois que les Sims me demanderont mes stats, j'aurai moins honte. Parce que la dernière fois qu'ils m'ont demandé mes stats, j'ai eu honte d'envoyer l'email. Hein. Et merci Jambé pour le follow, merci beaucoup. Oh bah si je oui bah si je veux stream c'est bien par passion. Ah bah d'un autre côté. Moi je le fais aussi parce que j'aime bien ça. Hein. Si j'aimais pas ça. D'un autre côté, même tu sais, même quand on était 3-4 dans le chat, il suffit que ce soit 3-4 personnes qui interagissent un peu, c'était sympa aussi. Hein. Tu dois envoyer tes stats à Twitch? Non, je dois envoyer mes stats aux Sims. De temps en temps. Les gens de ma classe sont partis en soirée, je vois tout sur Snap. Ils vont être beaux demain en cours à 8h. Oh putain la vache. Ah, c'est beau la jeunesse. C'est beau la jeunesse. Sortir jusqu'à pas d'heure et aller en cours. Et sinon, Gunder, pourquoi tu n'es pas mort? Tu es affamé, tu ne meurs que dans 23 heures. Oh la vache, mais c'est pas possible. En fait, je sais pas pourquoi je nourris mes Sims, hein. Ils peuvent tenir 48 heures sans bouffer, hein. Pour le programme... Oui, je dois... Voilà, c'est ça, c'est pour le programme Game Changer. Bah, c'est normal, hein, régulièrement, ils s'assurent que t'es actif, je suppose. Je préfère rester dans mon lit perso. Bah, moi aussi, souvent. J'étais déjà vieille avant l'âge, à l'époque. Oui, les streams avec Missing et Jolimo seulement, Stéphane. Bah oui! Les beats, quoi les beats? Ah oui, ça y est, ça me revient. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé. Mais ce que, voilà, ce que vous savez pas, c'est que, genre une semaine avant, quand on avait été à Disney avec Missing, on s'était aussi tapé un délire, mais tout le week-end sur les beats, quoi. On s'était tapé. Donc d'ailleurs, ça veut dire que ça fait environ 6 mois que je suis devenue affiliée, quoi. Non, c'est des beats. C'est pas des beats, c'est des beats. Mais effectivement, c'est un peu là-dessus que c'est parti tout le week-end à Disney. Sur les échanges de beats et tout ça. Comme on n'a pas du tout l'esprit mal placé. On s'est pas du tout tapé un délire digne de collégien là-dessus. Modérateur 3. Oh la vache! Il y a autant de modérateurs. C'est fou ça. Marc, oui, si, c'est logique. C'est logique. Je teste les commandes de Wizbot. Ok. Wizbot, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, ça devient long là avec Gunther qui veut pas dormir, qui veut pas mourir, qui veut pas se... Mais suicide-toi, Gunther, je ne sais pas. Étouffe-toi avec ton chapeau, gagne du temps. Ouais, attention vos oreilles. Pardon. Ah, je me suis rééternée. Et je suis toujours pas modo, moi. Écoute, je crois qu'il n'y a que Missing qui est modo. Premier follow le 2 mai 2018. Dernier follow le 17 août. Comment tu m'as unfollow en route, quoi? C'est moche. C'est moche. Seulement le 2 mai, bah oui, finalement, ça n'avait pas tant de temps que ça que tu me suis. Hein. Une si grande amitié en si peu de temps. C'est beau. C'est bio, c'est bio. Bon, Gunther, il est au bout de sa vie, mais il veut pas crever. Hein. Ah bah non, t'en as trois. Non, mais il y a le bot aussi. Il y a moi et le bot. Et Missing. Ça fait trois. Jour de loterie. Ah, bon, on peut peut-être jouer à la loterie, non? Hein. Ça, après tout, c'est dans le jeu, on a le droit. On va tester, hein. Moi, j'aime bien jouer à la loterie. Proposer un rencard, non. Acheter un ticket de loterie. On n'a pas de sous, mais c'est pas grave. Non, ça marche pas. FC. Merci au fait, la commande que tu m'as dit pour enregistrer avec OBS en même temps de stream, ça a marché. Ah bah c'est cool.
Ah, ça y est, c'est pissé dessus. Putain. Elle s'est pissée dessus. Et un ticket de loterie. Bon, elle a la douche. Prendre une douche, manger. Enfin, c'est cool si t'as réussi alors. Et coucou KXB, je gagne jamais à la loterie. Bah écoute, c'est la première fois que je joue. C'est la première fois que je joue sur le jeu, parce que d'habitude, je suis dans des challenges où j'ai pas le droit. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. Je vais bien, je te remercie. C'est les Plénosas qui gagnent, putain, c'est toujours, toujours ceux qui en ont pas besoin qui gagnent, c'est moche. C'est moche. Bon, est-ce que Gunther va mourir avant que j'accouche? J'ai quand même un doute. Bon, non, peut-être pas. Ça va le faire. Ça devrait le faire. Et sinon, toi, toute nue? Ah oui. Tu veux pas t'habiller? Et toi, du coup, KXB, est-ce que tu vas bien? Elle s'ennuie. Elle s'ennuie, la pauvre. T'as pas des écouteurs? Non, t'as pas d'écouteurs. Non, tu es déjà en hébergement chez moi, Alexandre. Tu peux pas héberger 45 fois. Tu le sais. Ça sert à rien de m'héberger deux fois. Une fois, c'est bien. Une fois, c'est bien. Ouf. Tu dis que le challenge est plus court que l'autre, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus long. Non, je pense sincèrement qu'il va pas être si long que ça, parce que... Comment dire? Il est quelle heure? Ah, il est 23h13 déjà. Oui, bon, alors effectivement, à un bébé par soirée, ça va être long. Mais ça va être long, là, parce que j'ai galéré avec Gunther, mais là, je vais prendre de l'avance. Regarde, je suis déjà bien avancée avec Dominique. Tiens, on va l'inviter sur le terrain actuel. Il va nous divertir. Non, mais tu peux obtenir un lien pour host. D'accord. Ok. Ça va peut-être un peu long, finalement, oui. Vous avez peut-être raison. Un game. Ah, mais si tu fais à peine un bébé par soirée, il va falloir plus de 10 streams pour finir. Ouais, c'est vrai. Non, mais après ça va, on va être chaude, ça va être lancé, ça va être bien. Ça va être bien. Bon. Proposer de toucher le bébé. Illuminer la journée. Plus d'amical. Complimenter la tenue. Plus de choix amical. Conversation profonde. Et plus de choix amical. On va aller regarder les nuages. Voilà. Dominique va être long à avoir, il est fidèle. T'inquiète. Je l'ai avant d'accoucher, je te dis. T'occupes. Tu vas voir. Il est là depuis que j'ai fait le giveaway. Donc il est là depuis fin juin, début juillet. Parce que j'ai trouvé que lui pour faire un giveaway sur les... Sur les... Pour gagner les saisons. Non, c'est pas les saisons. Si, c'est les saisons que j'avais fait gagner, je crois. Ouais, youhou. Et on est quand même super potes, là, dis-moi. Dominique est proche de sa famille, ça va pas être facile. Mais si, ayez confiance en moi. Et au pouvoir de séduction d'Inès. Voilà, on y croit. Bah, il va être proche de sa nouvelle famille. Regarde. Quand même super ami, là. C'est qu'on n'a pas confiance en toi. C'est pas qu'on n'a pas confiance en toi, mais on n'a pas confiance au jeu. Mais non, vous allez voir. Ah, je vais aller faire pipi, parce que si je me fais pipi dessus, c'est pas facile pour la drague. Hein, c'est un peu compliqué après. Quand tu t'es pissé dessus, c'est compliqué de séduire un mec. Ça marche moins bien. D'ailleurs, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter un complimenter l'apparence. Ça mange pas de pain. On est quand même pas mal amis.
Ah, comment t'es aveuglé quand tu passes dans ce couloir. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Voilà, voyez, il est content. Bouge pas. Bouge pas. Les gens de ma classe ont fait la danse des canards. Oh, il est gentil, il a fait la vaisselle. Bah, c'est un mec bien. Voilà. C'est un mec très bien. Draguer. Allez, soyons fous, tentons notre chance. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle nous fait des grands signes? Amour. Draguer. Allez, soyons fous. On va tenter. Pour autre chose qu'un dossier. Je t'ai mentionné sur Discord. Ah, vous voyez la drague, ça marche. Je vous ai dit, Dominique in the pocket. Voilà, très bien. Bon bah j'irai voir Alex. Espèce de narcissique, quoi, bah putain. Si moi je suis narcissique, je suis quand même la meuf qui a le moins confiance en elle de toute la Terre. Alors, si tu veux, pour le narcissisme, il faudra repasser, je pense. Complimenter petite. C'est quoi petite? Pourquoi petite solmette? Petite, petite. Je sais pas, petite, mais petite. Ah non, mais vous me connaissez pas bien, je crois. Vous vous rendez pas compte? Mon niveau de confiance en moi est atteint des niveaux très très bas. Bon allez, on se tente un draguer. Je vous ai dit, ça va être facile, Dominique. C'est pas un problème, il suffisait de monter un petit peu l'amitié. Et ça passe. Ça passe. Il fait connaissance encore, à peut-être pas trop l'agresser non plus rapidement, mais... moi, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Tu parles de proche de sa famille. Ouais, proche de sa famille, mes fesses, ouais. Là, c'est bon, il est mûr. Il est mûr. Oh putain, j'ai rien dit, il est pas mûr. Putain, on y était presque. Enlacé, ça passe pas. Moi, j'ai rien dit. Il est pas évident. J'ai parlé trop vite. Mais pourquoi j'ai parlé? Regarde le bébé. Il est beau, le bébé. Oh, il a bougé. Ouais, youhou. T'aurais dû prendre Don. Mais non, on a dit que j'allais pas chercher Don, sinon je vais encore me faire chambrer. Ouais, t'as encore pris Don, tout ça. Donc j'ai dit que je prendrais Don si je lui tombais dessus au bar. Ou ailleurs. Bon. Ah, ça y est, c'est reparti. Ça remarche, la drague. Tu dois vraiment y aller, mon mancha, ouais. Non, mais on a bien avancé. 18h, on peut peut-être appeler Vlad un petit peu. Mais lui, ça marche pas, hein. Il veut pas qu'on soit amis, hein. Tout ça pour pas le tuer. Mais non, je veux pas prendre Don parce que vous êtes toujours en train de me chambrer parce que je prends Don tout le temps. Donc là, c'est tellement évident que si je prends Don, vous allez bien sûr me chambrer pendant des heures. Donc j'ai voulu, j'ai voulu prendre autre chose que Don. Maman, quel est donc ce tourment? Voilà, donc ça, c'est des paroles de Dorothée. J'ai la référence. Tu pourrais déjà le faire emménager, tu l'auras à l'usure. Ouais, je vais faire ça. Je vais attendre qu'elle ait accouché, je le ferai emménager direct. Tu parles de Dominique, là, tu parles pas de Vladislaus. Bon, je vous laisse, bonne soirée, bonne fête. Bah, merci Camille, hein, merci d'être passée, de t'être abonnée, c'est très gentil de ta part et j'espère à bientôt. Fort derrière le mec. Que tu prennes ou que tu prennes pas, de toute façon, on te parlera toujours de Don, c'est vrai. Il n'y a qu'à toi que je puisse dire tout ça. Toujours du Dorothée.
Ouais, dis-moi pourquoi je suis comme ça. Oui, Dominique. Oui, c'est ça. Oui, bah Dominique, ils vont emménager bientôt. Je pense que Vlad, on va lâcher l'affaire, les gens. Je suis désolée, hein, mais ça fait quand même 3 soirs qu'on l'appelle et la barre monte pas. Donc, je pense qu'on va se prendre un vampire dans la galerie. Gunther, où tu en es, mon petit? 3 heures, très bien. Très, très bien. Nous, on va manger quand même parce que elle n'est pas censée mourir. Ah, il n'y a plus de reste. Macaroni, non, salade du jardin. Bon, laisse tomber, Vlad. On l'aura pas. On l'aura pas, le Vlad. Faudrait finir ta peinture aussi parce que le gosse va naître et on n'aura rien pour l'accueillir. Que dalle. Sinon, on demande à Dominique de venir avec les affaires de ses enfants. Ah non, ils sont grands, je crois. Il est vieux, c'est des ados qu'il a. Hop. Tu manges, de toute façon, ça sert à rien, tu pourras pas finir la toile et tu vas dormir. Oui, il a un enfant et une ado. Ah, il a un enfant quand même, il peut ramener les jouets du gosse. C'est horrible, tu sais, tu lui piques son mari et en plus tu piques les jouets des gosses. C'est fou. Oh mon dieu, mon premier mort. Oups, on voit plus rien. Oh, c'est beau. Ah, bonjour la faucheuse. Est-ce que c'est un homme la faucheuse? Si ça se trouve, elle va gagner à la loterie. Oh bah, ce serait bien. Non, Siobhan et Morgan sont ados et jeunes adultes, je crois. Ah bah, ça va, là. Oh mon dieu, non, on va pas supplier. C'est bon, le but, c'est de le tuer. Oh, il y a le Père Noël. Oh, va voir le Père Noël. Il paraît que les gosses avec le Père Noël, ils sont spéciaux. Et qu'est-ce qu'il fout dehors au printemps? On sait pas, mais... Faut aller voir le Père Noël. Je veux un enfant avec le Père Noël. Bah, si c'est un garçon, ouais, je ferais bien bébé avec la faucheuse. Tu vas tuer le Père Noël. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, ça le fait pas. Mais je veux un enfant du Père Noël. Bah, il paraît qu'ils ont un truc spécial, c'est ce qu'avait l'air de dire les Sims, mais... Oh, putain, il se barre. Il a compris. Il a compris. Non, non, te sauve pas, te sauve pas. En plus, il est riche. Ah, reviens ici si tu es riche. Vas-y, cours, toi, cours. Coucou Marjo. Hé, hey, coucou Lulu, comment tu vas? Le Papa Noël a entendu mes paroles. Cours, Papa Noël. Mais il a compris que j'allais le tuer. Vous savez comment il s'est sauvé en courant quand j'ai voulu cliquer dessus? Il est pas fou, ouais. Il est pas fou. Je viens de comprendre comment paramétrer les commandes. C'est bien. Bonjour Père Noël, enchanté. Proposer de toucher le bébé. Bon, on s'appelle, hein. Ça va et toi, je te fais des gros bisous. Bah écoute, ça va mieux, hein, je vais reprendre le boulot là lundi. Donc du coup, c'est cool, je pense qu'on va se croiser, parce qu'apparemment, avec tous les arrêts, je suppose que tu dois faire pas mal de garde. Donc je sais pas quand, mais je pense qu'on va se croiser un de ces quatre. Et gros bisous à toi aussi, ma belle. Romain est tellement caca qu'on est limite dans le jeu. Mais t'es méchant, toi aussi. Bon, allez, rentre chez toi. Hé, hey, coucou, Annie. Te raconterai demain. D'accord. Bah écoute, pas de soucis. Allez, hop, à la douche. Bon, bah, on a notre premier mort, c'est cool. On n'a pas de bébé et un premier mort. C'est bon de revenir. putain, c'est quoi ça? Ah, je l'ai, mais j'ai pas la suite. Oui, je ne m'ennuie pas. Valérie te fait des gros bisous. Oh, vous êtes au boulot! Eh ben, gros bisous à Val.
Dis-lui que j'ai enfin lu un de ses bouquins, du coup, j'ai eu le temps, et que je lui ramènerai en reprenant le boulot. Bon, soyez sage, hein, que je revienne pas avec un service blindé de folie, quoi. Oh, elle est triste. Elle est triste, elle a pu... J'essaie des trucs, je sais pas ce que c'est. Mais bah essaye pas trop quand même, parce que... S'il te plaît. Casse pas tout, c'est tout ce que je te demande, Alex. Parce que je suis en galère quand même. J'aimerais bien qu'on fasse naître ce bébé avant d'arrêter le live. Ce serait pas mal. Qu'on sache si c'est une fille, un garçon, des triplés. Oh mon dieu, des triplés. Oh. Alors là, je pense que je me pends, je vous le dis tout de suite. C'est pas possible d'avoir des triplés à ce moment-là du jeu, c'est impossible. Alors, elle est très embarrassée, elle est triste, elle est fatiguée, il n'y a rien qui va. Allez, vas-y, stop la douche, t'es propre, là. Maintenant, tu peux casser la tombe de Gunther et ranger l'urne dans l'inventaire du foyer. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, t'inquiète, en plus si les grossesses sont maudites, ça va durer encore plus longtemps, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle est... Ah bah, comme une merde par terre. On va déjà le mettre dans, voilà, dans l'inventaire, comme ça il viendra pas nous faire chier. Parce que... Ah, derrière, tu veux te pendre avec des triplés. Dis-toi que j'ai bidouillé mon Mac MC commande, je sais pas comment, et que du coup ma sim s'apporte du 4 bébés. Ah, oh, tu m'étonnes. Je t'ai ajouté comme un habitué de mes streams, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Ah, je suis VIP alors. Magnifique. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bon, c'est quand qu'elle accouche par contre, je ne sais plus. Je crois que c'est vers midi par là. Ah, je vais être fantastique. Inès a passé un merveilleux moment. D'accord, et quand est-ce... Et on a gagné ou pas? Comment c'est? Comment c'est si on a gagné? On sait pas? Tu le sauras demain. D'accord, merci. Ok. Oh, c'est gentil, j'adore être VIP. Du coup. Bon, on va laisser. Ah bah du coup, on peut passer en vitesse lumière. Ah bah ou pas. Ah bah là, la dalle. T'inquiète, tu peux rester 2 jours sans bouffer, a priori. Ah non, elle a envie de faire pipi. Pardon. Utiliser, prendre des restes, je vibre. Pourquoi je vibre? Qui dit des conneries encore? Et retourner dormir. Prends des forces. Après, quand le bébé sera là, ça sera pas la même. Du coup. Bah, elle est enceinte, Fanny. C'est bien le problème des femmes enceintes. C'est qu'elles font tout le temps pipi. C'est un peu le concept. Quand t'es enceinte, tu passes ta vie aux chiottes. Soit pour vomir, soit pour pisser. C'est comme ça. Mais même en étant enceinte, ma Sims ne fait pas autant pipi. Écoute, elle a une vessie sympathique, alors. Oh, je suis contente, on a eu le père hiver. Après Dominique, ce sera le père hiver. En plus, il est vieux, lui. Je peux peut-être le faire mourir de fatigue. Ah ouais! Bon, on va faire emménager Dominique. Mais tu as tué Papa Noël. Mais c'est pas grave, lui, j'en créerai un autre. Oh, faut pas. Intérêt réciproque, d'accord? Soul. Hey, coucou, pouce! Comment ça va? Hop, on va attendre qu'il arrive. Oh, 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 oh.